Et go, on est sur Outer Wilds. Les gars, on est parti pour un let's play de fou. Les gars, j'espère que ça vous allez adorer. En tout cas, moi, je pense que je vais grave kiffer. Ok. Mettez le son un peu plus fort, les gars. Tac. Ok. Petit chamallow, tranquille. Si c'est pas notre pilote, je vois que tu es de retour de ta dernière nuit à la Belle Étoile avant ton décollage. Alors ça y est, c'est le grand jour. J'ai l'impression que tu as rejoint le programme spatial pas plus tard qu'hier. Et voilà soudain que tu t'apprêtes à partir pour ton premier voyage en solitaire. Ils font peur un peu avec leurs quatre yeux là. Qu'est-ce que t'en dis? T'as pas hâte de t'envoler à bord de ce petit bijou? Le plein est fait, y a plus qu'à décoller. Et tu sais quoi? C'est quand tu veux. Tout est prêt de mon côté. On va enfin pouvoir tester le nouveau système d'atterrissage hydraulique avec un pilote plutôt que le système automatique. En parlant de pilote, évite de t'écraser à ton premier atterrissage compris. Quoi qu'il en soit, tu vas devoir parler à Cornet à l'observatoire pour obtenir les codes de lancement si tu veux pouvoir décoller. Amène-les-moi une fois que tu auras fait tes adieux ou je ne sais quoi. Ok, donc là, entre autres, faut que j'aille voir un mec qui est dans l'observatoire pour avoir les codes de lancement. Ah, bon c'est ça les codes de lancement. Bon, on va aller par là-bas du coup. Hein. Bon, j'aimerais bien faire griller un petit chamallow, tu vois. Hop. Alors, bouger le bâton, tendre le bâton. Et là, il a l'air... Waouh, il a l'air incroyable. Sauter, maintenir, relâcher. Ok. C'est lui, non? Hey, c'est toi? Ardos dit que du collège aujourd'hui, j'ai hâte de voir ça. Tu ne veux pas aller dans l'espace, hein? Tu n'as pas intérêt à avoir changé d'avis. Bien sûr, j'y vais. J'espère que ça va. Ça fait une telle idée que personne n'est allé dans l'espace. J'ai vraiment, vraiment envie de voir à quoi ça ressemble. Vraiment beaucoup. Les a dit d'essayer mon modèle, Ardos dit que c'est comme la vraie fusée, sauf qu'il y a moins de chances de prendre feu. Tac, alors les touches. Bon bah c'est ZQSD, c'est juste que c'est en anglais, d'accord. Ça c'est pour aller là, ça c'est pour aller là, là. Monter, c'est quoi, c'est ça. Descendre, c'est ça, ok. Waouh frère, c'est trop dur. Ah ouais, je suis chaud. C'est juste là. Waouh. Hey. Je suis pas trop chaud. Get out. Là, mon gars, je me suis tiré là. Bon, allez. Partir. Ok. Faut que j'aille à l'observatoire, ça doit être sûrement ça. Ouah, c'est quoi ça? Oh, j'ai rien. Je sais pas ce que c'est. En vrai, tu es, il est grave stylé. Alors, on va te parler quand même, toi. Salut, jeune spationaute. Il paraît que tu quittes le cratère aujourd'hui. Si tu croises d'autres voyageurs là-haut, dis-leur de faire attention à leur instrument, d'accord? Pas très bon signe que tu poses ce genre de questions avant de partir dans l'espace, tu sais. L'observatoire est en haut du chemin derrière la cascade. Il y a deux ou trois panneaux qui indiquent la route, mais il suffit d'aller tout droit jusqu'à la grotte anti-grave, puis de tourner à droite. Ok, donc c'est à la cascade. La cascade, je sais même pas où est-ce qu'elle est. C'est là. Carte postale prison. Projecteur est relié à un ensemble de satellites en orbite autour de la Terre. Wesh. Alors, il y a quoi ici? Ouais, il y a... C'est trop bien, ces frères. Une chaise,
lire. Ceci est du pilote, c'est l'astronaute, c'est l'âge, vol dans l'espace. Certains valeurs de performance méritaient difficilement d'être qualifiés de vol. Il en demeure pas moins que ce jour aura marqué un tournant dans l'histoire aérienne. Ouais, donc du coup... Salut, petite Pierre. Il paraît que tu vas nous laisser pour chercher l'aventure dans les étoiles. Quand tu rentreras, il faudra qu'on s'ouvre une bouteille de bon filon, gossant toi et moi. Seule étoile, en fait... Se passeront bien, bonne chance. Bon, du coup, c'est là, je crois. De toute façon, pour aller là, il y a... Tu crois qu'il y a 30 000 chemins, quoi. Ok, en plus, il n'y a pas beaucoup de bruit, ici. Ok, donc... Ah non, en fait, je suis revenu là. Ok. Très, très dur, hein. Pour aller là-haut, il faut passer par la cascade. Est-ce qu'il faut passer par une cascade? Ah bah oui, elle est là, la cascade. Hop. On va tracer parce que j'ai parlé à beaucoup de monde en vrai. Petit pêcheur. En vrai mec, c'est trop bien fait. Ouais, donc c'est ça là, non? Ouais, c'est ça. Ben ça? C'est quoi ça? Lance guetteur. Wesh. Ah, c'est un truc pour faire prendre des photos. Ah, ok. Ok. Bon, en vrai, ça peut être utile, hein, si tu veux voir des trucs. Hop. Après, on doit aller là. Et puis après, c'est... Ok, c'est là. Chill, chill, chill. Mon fondateur du programme Odyssée, dans le sens horaire, en partant du coin supérieur gauche, cornet, gossant, ardoise... Ok, donc attends. Supérieur gauche, donc on a... Ok, donc tac, 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 ok, ok. Je vois à peu près c'est qui. On sait pas trop. Le programme Odyssée, la seule et unique programme spatial entre... Enfin, d'explorer. Je suis le premier Atrien, l'inventeur de l'Ouest dans l'espace en intentionnel, après avoir accompli son premier orbite autour d'Atrobois. Peut-être réalisa le premier des nombreux alunissages qu'allait connaître notre satellite Rocaille. Cette statue remarquable préservée fut sculptée par les Nomai, d'une espèce aujourd'hui disparue qui vivait dans notre système solaire il y a des milliers d'années. Cette statue constitue le témoignage le plus détaillé dont nous disposons concernant l'apparence de Nomai qui possédait apparemment une couche de fourrure. Remarquez le but. Ornant leur bois. Trouver ce système sonore, nous avons toujours posé cette originaire. C'est toi, mon astronaute à moi, le jour du décollage est enfin arrivé, hein, Galet. Le traducteur portable va faire son premier vol aussi. J'en ai la boule au ventre. Imagine, tu vas pouvoir traduire n'importe quel texte Nomai, où que tu sois. On a passé énormément de temps sur cet outil. Alors prends-en soin, d'accord? Ah, par pitié, prends-en bien soin. ne fais pas attention à moi. Je m'inquiète, c'est tout. C'est même pas moi qui pars dans l'espace. Toi, comment tu te sens? J'ai hâte. Bien. Tu attends ce jour depuis... Pierre. J'ai hâte de voir tout ton entraînement porter ses fruits. Tu viens voir la nouvelle... Oh, je suis juste les côtes de lancement, frère. Je sais que tu meurs d'envie d'aller dans l'espace, mais sérieusement, il faut que tu vois cette statue avant de partir, c'est une découverte incroyable. J'aurais bien aimé savoir ce qu'elle semblait de notre Nomai, mais j'imagine qu'on aura difficilement mieux que ça. Regarde, avec cette fourrure. Son ancienneté. Tout en bon état, ok, il faut vraiment que je sois calme. Vas-y, tu as une fusée à faire décoller, fais attention à toi là-haut, d'accord. Ok, donc j'ai une fusée à faire décoller.
Je pense qu'il faut aller tout là-haut. Très très clairement, moi je décolle tout là-haut. Alors, je dois parler à qui ici, du coup? Bah sûrement au mec qui est en train de toucher à des boutons. Donc voilà, je viens de terminer les observations préalables, les conditions météorologiques locales sont bonnes, c'est l'heure pour notre plus jeune astronaute de prendre son envol. Tu seras notre tout premier recrue à partir avec un traducteur nommé portable, je t'avoue, plus qu'un criton. Il est mieux équipé que jamais pour lever le voile sur le mystère des Nomai. Ok, donc en gros, je vais chercher un mystère sur les Nomai. Vous avez fait un travail remarquable, toi et Hall. En vrai, je l'appelle Hall ou Hall ? On verra. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire une fois dans l'espace ? Alors, je vais tâcher d'en prendre plus sur les Nomai. Ouais, je peux faire ça. Je vais retrouver les autres voyageurs. Je peux aussi faire ça. Je vais explorer les lieux inconnus. Je vais commencer en douceur. Je pense que... ça, c'est bien. Je m'en doutais. Civilisation qui viennent d'ici ou d'ailleurs. Ah oui, donc en fait, ils savent pas du tout pourquoi ils ont disparu. Grâce à cet outil, tu devrais éclaircir le mystère qui est rentrant dans cette espèce ancienne. Bon, et bien. On dirait que qu'il ne te reste plus qu'à t'envoler vers les étoiles. Ton compte fait, c'est un beau jour pour le décollage. J'ai hâte de quitter ce caillou. Parfait. Tu vas donc avoir besoin de codes de lancement. Les voici. Tu feras mieux de filer avant qu'Ardoise n'apporte d'autres modifications à ta fusée. Tu ne penses pas? Bonne chance là-haut. N'hésite pas à me faire des signes si tu as besoin d'aide. Ok, donc les codes de... oh non. Les codes de lancement, c'est du morse. Bip, 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 bip. Moi, je suis trop fort en morse. Quand t'es sur Call of Duty, là... les codes morse, mon gars. C'était moi, hein. J'étais trop fort. Wesh. Jerry va me parler. Wesh. Oh, je vois tout ce que j'ai fait. En fait, j'ai vu ma vie, enfin, entre guillemets, tout ce que j'ai fait durant cette vie-là. La statue a regardé dans ma direction et... voilà. Ils veulent plus. Ils sont trop bêtes. Tu pourrais utiliser un traducteur portable partout. Il a grandi si vite. Ça me rassure de savoir. Riebeck tombera dessus. À coup sûr, par exemple. Au fait, si tu veux faire un court voyage pour t'habituer au vide spatial, tu devrais aller faire un tour dans les ruines de la rocaille. J'adorerais savoir d'où elles viennent. Bonne chance et fais attention à toi. Ok, donc en gros, j'ai fait des hallucinations, je ne sais même pas pourquoi. J'ai fait une hallucination. Et ils sont en train de me dire qu'ils veulent pas me faire quitter, parce qu'ils veulent pas faire quitter la planète, car en fait, j'ai une hallucination, du coup, ils veulent pas que je tombe dans les pommes, un truc comme ça, pendant mon décollage. Mais en vrai, je pense pas que je vais tomber dans les pommes quand même. Ah, je suis revenu là. Saisir les codes de lancement. Oh my god. Oh my god. C'est ça. C'est ça mon vaisseau spatial. Je croyais que c'était... mais oui. C'est trop bien. Wouah. C'est quoi ça? Journal de bord. Ok. Combinaison. Ok. Je vais la remettre parce que du coup elle ne sert à rien. Fenêtre. Elle ne sert vraiment à rien. Et on va... mec, en fait on va tout de suite décoller. Ok. Wesh. Et elle est où la planète? Wesh, non, je vais pas au soleil, moi.
Cacher une comète. Ah! Oh, j'ai failli tomber. Ah, c'est ça, non? Non, c'est pas ça. Ça, c'est Léviat. Ça, c'est le soleil. Logique, en fait, j'ai envie de te dire. Ok, donc ça, c'est ma planète à moi. Ah, voilà la rocaille. Ah, je vais tomber, là. Voilà, elle est là. Voilà, c'est là où je dois aller, là, ok. Je vais aller un peu moins vite. Pour atterrir, je pense que... Oh, la chance que j'ai eu, mec. En fait, c'est trop dur à contrôler. Attends. Ok, tac. Là, je suis dessus, là. Là, je suis dessus, gros. Mais c'est incroyable. Oh, j'ai pas mis ma combi. Trop con. Voilà, mettre la combinaison. Hop, on attend que tout se mette bien. Et go. Wesh. Ok, il y a un peu de gravité ici. Et lui, pourquoi il a rien? Eh, hey, c'est toi? Je savais pas que tu allais... Tu pouvais... Ah! Je savais pas que tu avais décollé, ça fait longtemps. À vrai dire, ça fait longtemps que j'ai pas vu quelqu'un tout court. La rampe lunaire était beaucoup plus fréquentée à l'époque et nos fusées étaient moins évoluées et nécessitaient souvent de réparations. Mais maintenant, il sert principalement à garder un œil et à chose. Shai passe parfois vers faire un coucou, mais Cabro. Tu sais bien que. Papa. Bon, allez, on va se reparler plus tard, mon ref. Parce que j'ai trop de questions à te dire. Mais moi, j'ai envie de faire un truc. Il faut pas que je prenne trop de carburant, là. Mais, hop. Parce qu'on sait, on peut s'envoler très très vite, ici. On va mettre la petite lampe torche. Comment on fait? F, ok. Alors, petite lampe torche, et on est au milieu de la Terre, là. Allez, monte! Ok. Journal de 12, jour 48. Je ne capte toujours aucun signe. Je ne capte toujours pas le bon jeu de Lune depuis gravité. Je ne m'inquiète pas trop à son sujet. Mais j'irai mieux quand j'aurai entendu sa voix. J'ai écouté Shai Bounou. Bonjour, aujourd'hui, sans rapport, il faudrait dire à Pof et Gosan que leur rouscoulade n'ont rien de. Et rien. On entend que le son banjo aujourd'hui. On dirait que Rebecca va bien, stupide créature, je m'inquiète. Aujourd'hui, je crois avoir entendu quelque chose d'étrange, je ne sais pas. C'était probablement rien, non, ça n'a recommandé. Recommandé aujourd'hui, quelque chose d'étrange vient. Moi, je sais, c'est dingue. Le son que vient d'Atrebois est identique à celui de Harmonia de Fadet. Mais Fadet a disparu de l'espace, il y a un bail. Ça glauque. Peut-être que mon audioscope est cassé. Je vais en parler avec Nice. Scope. C'est quoi ça? Oh, on peut entendre ça. Ah, tu captes le signal. C'est trop bien. Non, mais ça c'est ma planète ça. Inconnu. Wesh. Là il n'y a plus rien.
Il est là? Ok, il y a un mec dans la planète qui est là. On va aller le voir. Ah, ma tenue, il faut que je l'arrange, voilà. Ok. Donc ça, c'est quoi comme terre, ça? Bah. C'est trop bien ça. Ouais, gros, j'ai l'impression que je vais m'en prendre un dans la tronche. Et à moi de le faire. Et là, on se pose comment dans cette planète là? Attends, il y a un truc ici. Eh, je suis obligé de me poser là. Oh frère, il y a de la gravité. Oh merde, j'ai tout cassé. Attends, mais wesh, mais frère, t'as vu la gravité qu'il y a? C'est même plus une gravité. Attends, comment on fait déjà? Pour réparer, mais comment on fait? Ah, ça va, c'est facile. C'est bon. Bon, on va dire que c'est bon. C'est quoi ça? Carte. Ok. Moi, je suis ici. Gravité. Gravité. Ok. Et... Quoi, je capte Esker là? Wow, wow. On va rentrer ici, nous. On va remettre le petit costume. Et on va se barrer. Mais juste avant, je veux voir la carte. What? Moi, je vais aller... C'est où, ça? C'est quoi, ça? Attends. L'intrus. C'est ça la gravité, ok. Faut que j'aille là. Il y a des bouts de morceaux de lave là. Je vais m'en prendre dans la tronche.
signal non identifié à proximité. Tout le monde est indemne. Aucun d'entre nous n'a subi de blessures graves lors de l'impact de la capsule de sauvetage. Nous avons eu beaucoup de chance. Voilà au moins une bonne nouvelle. Savons-nous ce qu'il y est devenu la capsule de sauvetage 2 et la capsule de sauvetage 3? Non, je ne parviens pas à les contacter, mais mon matériel a entendu les signaux de détresse émis par les deux autres capsules de sauvetage. Ça va sûrement pas le bienvenu à la surface. Nous devons... Ok. Wesh. Ah, c'est ça? Attends, on va allumer la petite torche là. Et j'ai envie de voir ce qu'il y a là. Aïe. Écrit nos mails non traduits. Texte ciblé trop proche. Aïe! Je suis tombé. Collision imminente, préparation à l'impact. Ça? Parfait. Trappe d'évacuation d'urgence. Ok. Ouais, non, il y a un volcan, frère. Non. Wesh. Je capte une fréquence, mais attends. Ok. J'aurais pas dû me poser là en fait. Attends, je vais me décaler. C'est quoi du coup là? Ok. Ça provient de là. Merde. Je vais pas faire ça. Non. Ça, je l'ai déjà lu. Mais après, ça va dans le vaisseau. Je peux pas aller là? Je sais pas du tout est-ce que ça va. Je vais me prendre un. Ok, chill. Pas chill du tout.
Wesh. Très clairement, je pense que je suis mort. Pas du tout c'est quoi la grosse bouboule, mais... C'est sûr, je vais me la prendre. Tenter un truc, hein. Ah, c'est le soleil. Ah, ah, ah. Là, tu vas pas me dire que je suis en train de... Là, là, je vais passer dans le soleil. Bon bah le pire est à venir, hein. Je vais passer dans le soleil. Ou alors que je meurs avant. De toute façon on a dû survivre, je peux pas juste survivre 30 minutes tranquille. Hein ? C'est quoi ça ? Ah. Bon bah... Il ne reste plus que 400 mètres à vivre. Wesh. Ah, je vois mes souvenirs encore. Et je reviens au code de lancement. Les gars, j'ai envie de vous dire, on va faire ce... Cette, parce que c'est un let's play, comme j'ai envie de le dire. De 30 minutes, chaque épisode durera 30 minutes environ. Ouais, peut-être un gars durera une heure, je sais pas moi. Enfin bref. Si vous avez kiffé, n'hésitez vraiment pas à venir déjà sur le live de 13h. Aujourd'hui même, je serai en live à 13h, n'hésitez vraiment pas à venir. Et dans la partie 2, donc là, je sais comment jouer, ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle. J'espère qu'on va réussir à atterrir sur une nouvelle planète sans mourir. Et enfin trouver pourquoi ils ont disparu et comment ils ont disparu. Et voilà, donc j'espère que ça va vous faire kiffer. N'hésitez pas à partager un maximum pour qu'il y ait un maximum de gens qui le voient, ce petit let's play, pour qu'on se soit plein, plein, plein. Et puis, je pourrais faire des lives dessus, si vous voulez. Sur ce, moi, les gars, je vous dis des choses pour plus de vidéos. Ciao.